Silence, on tourne. Silenzio, si gira. Silenzio. Camera. Motore. Oui, donc je disais en introduction que ce film était autobiographique et fortement autobiographique, évidemment sur la question de l'Œdipe, c'est-à-dire le rapport de Pasolini à son père et à sa mère. Et c'est ce rapport à son père et à sa mère a décidé finalement de toute sa vie et de son activité, c'est-à-dire que le Pasolini avait une mère qui était institutrice, poète, qui lui a appris la poésie. Enfant déjà, il écrivait de la poésie parce qu'il était proche de sa mère qui lisait le Frioulan, enfin il a écrit un Frioulan d'ailleurs, ses premières poésies. Donc ça, c'est, pour lui, la mère, c'est quelque chose qui va l'envelopper toute sa vie. C'est-à-dire que là où il est en sécurité, hors de l'histoire, ça, c'est lui qui le dit, c'est quand il est avec sa mère et il trouvait... que sa mère était très belle et il a une image, toujours une image d'enfant de qui était sa mère. Il dit qu'elle avait une odeur de primevère et elle est liée pour lui à la nature. Elle est liée pour lui au Frioul. C'est pour ça que dans le film, on va voir, il y a un champ vert qui est très présent au début et à la fin. Pour lui, c'est ça, c'est l'espèce de, voilà, de rapport. Pasolini dit, ma mère était très belle, elle était petite, fragile. Elle avait le cou très blanc et les cheveux châtains. Dans les premières années de ma vie, le souvenir que j'ai d'elle est presque invisible. Puis elle émerge subitement vers 3 ans. Et depuis, toute ma vie a été centrée sur elle. C'est quand même pas rien de dire toute ma vie a été centrée sur ma mère. Et dans les faits, c'est vrai. Puisque Pasolini donc, quitte le Frioul... s'échappe du père, ils disent même pas au père qu'ils partent, ils laissent le père endormi, ils prennent un train, ils arrivent à Rome. Et là, il va y avoir des mois très très difficiles, où pour lui, c'est le trauma de sa vie. Sa mère a été obligée de travailler comme gouvernante et femme de ménage. Et pour lui, c'était absolument insupportable, donc ça lui a donné de la force pour gagner de l'argent, enfin, pour trouver des moyens de gagner de l'argent, et ça va être les scénarios. Et l'enseignement aussi et les scénarios. Donc, quand il quitte le père, ça veut dire que Pasolini déteste évidemment son père pour plusieurs raisons, notamment des raisons politiques, puisque son père était un militaire et un militaire fasciste. C'est-à-dire pour lui, c'était le repoussoir absolu et toute sa vie, il a été arc-bouté contre ce que représentait son père. Mais en même temps, ça il le dit plus tard, il dit « Mon père... » C'était quand même l'histoire. Ma mère était hors de l'histoire pour moi. C'était quelque chose qui... Le temps n'avait pas d'action sur elle, sur la relation que j'avais à elle. Alors que mon père, c'est l'histoire. Il dit tout... À la fin de sa vie, il dit « Tout ce qu'il y a dans ma vie de volontaire, d'actif, d'idéologique, dépend de la lutte avec le père. » Donc la lutte avec le père, il y a de la haine, mais il y a aussi la force. C'est-à-dire la force que Pasolini a trouvée pour faire tout ce qu'il a fait, c'était la haine contre son père. Alors, après, dans la vie réelle, si vous voulez, ils ont laissé le père qui était colérique, un peu alcoolique, etc. Ils l'ont laissé à la maison, mais après, Pasolini a accepté qu'ils reviennent les rejoindre à Rome. Et là, c'est assez bizarre. Ce père, donc, qui était détesté, est devenu un peu le secrétaire de Pasolini, s'occuper des affaires courantes, disons, de Pasolini. Donc il y a eu une réconciliation, en tout cas, dans la vie, pas dans la pensée, etc. Le père est quand même toujours la figure un peu haïe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, dans le prologue, il montre son père. Et c'est vraiment son père. Il a le costume, disons, de l'armée. Et il choisit pour représenter son père un homme très beau. C'est-à-dire que la haine que Pasolini avait pour son père ne l'empêche pas de respecter, enfin, de penser que son père était beau et de le faire jouer par un acteur. Il aurait pu se venger. Il aurait pu prendre un acteur moins bien. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain respect, disons, de ce qu'a été son père. Quand lui est, et sur les photos qu'on a de l'enfance de Pasolini, c'est vrai que son père est assez beau.
Enfin, même si pour lui la beauté c'est plutôt sa mère que son père. Alors c'est ce que je dis là, c'est fondamental pour comprendre l'œuvre de Pasolini. C'est-à-dire il y a des choses qui sont hors du temps, certaines poésies, certaines, et les choses qui sont dans l'histoire et qui sont dans le combat et qui sont dans ce qui est en train de se passer en Italie. Donc voilà, finalement il a eu besoin des deux. Mais il n'a jamais renoncé à un des deux. C'est-à-dire qu'il a besoin de sa mère, et il est avec elle, il a vécu toute sa vie avec sa mère. Et dès qu'il a eu un peu d'argent, il a acheté un appartement à Léour, à Rome, pour qu'elle ait un petit jardin sur son balcon. C'est-à-dire que comme sa mère était quelqu'un qui venait de la campagne, voilà, il a tout fait pour qu'elle soit bien à la fin de sa vie. Malheureusement, sa mère... C'est un cas tragique. Elle a eu deux morts. Elle a eu ses deux fils qui sont morts et qu'on a ramenés massacrés. Le premier, c'était le frère de Pasolini, qui était parti dans la résistance sur les conseils de Pasolini. Donc la culpabilité pour lui est très grande. Et là, à la fin de la guerre, au moment de la libération, ils se sont fait prendre dans une embuscade qui n'était même pas une embuscade des envahisseurs. C'était une embuscade d'autres communistes, de Tito, des communistes titistes, qui, comme c'était la fin de la guerre, il fallait savoir qui occupait, qui avait quoi comme territoire, et donc il est mort des balles même des frères, enfin ce qui aurait dû être des frères, c'est-à-dire les communistes titistes. C'est évidemment assez rude, donc ça c'est, et sa mère a vu arriver le cadavre donc de Guido, et à la fin de sa vie elle a vu arriver le cadavre de Pasolini qui lui aussi a été massacré. Donc c'est un peu rude, et elle est devenue instantanément folle, c'est-à-dire que le jour où Pasolini a été tué, elle a perdu la raison complètement, comme si elle ne voulait pas pouvoir penser à ça, comme si le deuxième fils massacré, voilà, elle ne voulait plus penser à ça, donc elle a perdu la mémoire, enfin elle a perdu tout, parce que quand on lui a dit que Pierpaolo était mort, elle est allée dans la rue et elle cherchait ses clés, c'est-à-dire elle avait fait une espèce de fixation, voilà, comme ça. Alors ça, c'est une des questions centrales du film, cette question-là, le père et la mère, qui est évidemment la question oedipienne par excellence. Et puis, alors, je voudrais parler un tout petit peu aussi du Maroc, enfin du site dans lequel Pasolini tourne. Parce que quand il a tourné l'Évangile, je l'ai dit la dernière fois, il a tourné dans le sud de l'Italie. Et c'était mieux que les lieux saints, puisque les lieux saints, il avait considéré qu'on ne pouvait pas filmer tellement c'était industrialisé. Dans le sud de l'Italie, ça va, mais il y avait quand même des poteaux électriques, il y avait quand même des signes de la vie contemporaine qui l'ont embêté, qui lui ont fait perdre du temps. Quand il découvre les lieux là, près de Ouarzazate, enfin proche du désert, là il dit « il n'y a plus rien qui me gêne ». C'est-à-dire, il retrouve un état de la civilisation qui est pour lui une espèce d'idéal de la civilisation, des rituels, évidemment les magnifiques villages en rempart qui sont de cet endroit-là du Maroc. Et il dit une chose très belle, il dit surtout les couleurs. Parce qu'il dit, quand on filme en couleurs, il y a trop de couleurs. Et c'est vrai, c'est-à-dire si on met la caméra dans la rue, il dit il y a 50 couleurs, et moi je veux pas ça, je veux peu de couleurs, mais évidemment là, naturellement, il y a peu de couleurs. Il y a de l'ocre, il y a du bleu, et il y a une gamme de 3-4 couleurs, pas plus, et des couleurs douces. Donc du coup, esthétiquement pour lui, c'était aussi l'endroit idéal. Et puis il y a cette architecture donc, à laquelle il tient beaucoup, une sacralité, c'est-à-dire l'architecture, est lié encore à une civilisation où tout était harmonieux, si j'ose dire. C'est-à-dire l'architecture était faite pour la vie des gens qui y vivaient, il n'y avait pas d'excroissance, il n'y avait pas de... Voilà, donc il aime beaucoup ça. Et après l'exode de Diperoy, il va aller en Turquie pour m'aider, il va aller en Inde pour noter le film sur l'Inde,
il va aller en Afrique aussi, c'est-à-dire après il va chercher des paysages qui correspondent à, j'ai envie de dire, à son paysage intérieur un peu mythique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça serait un lieu qui serait le contraire de ce qu'est devenu l'Italie, et là il fait le bon choix. Enfin là, c'est dans le film, c'est absolument magnifique, je trouve. Alors moi j'ai vécu au Maroc, à Marrakech, et j'ai cherché les lieux où il avait tourné, notamment l'arbre où il rencontre l'oracle. Donc j'ai fini par demander à des gens. Il y a un gamin qui avait grandi depuis, qui avait été sur le tournage de Pasolini. Et donc il m'a amené, et j'ai vu ce truc magnifique de cet arbre, comme ça, au milieu de rien, dans la nature. Évidemment, Pasolini, dès qu'il voit ça, c'est le mythe. C'est-à-dire, ça devait. Voilà, en gros, dans le mythe, c'est ça. C'est-à-dire, un arbre, un homme dessous, et qui fait des prophéties, enfin, ou qui accueille les gens. Alors, le tournage a été assez long, et il faisait une chaleur mortelle. Il y a eu 2 mois de tournage, et parfois il tournait 17 heures par jour. Donc, et il y a eu, sur le film, bon, c'est une anecdote, mais il y a eu plusieurs insolations. Donc c'était, voilà, ça veut dire que ça cognait vraiment, et on le sent dans le film parfois. On sent qu'effectivement, marcher est pénible, que voilà. Et alors, à partir de ce décor, il va inventer des costumes, il va inventer des rituels. C'est-à-dire, il y a des choses vraies, mais il y a des choses totalement inventées par Pasolini. Les rituels, par exemple, il voit un peu ce qui se passe, et puis, et les costumes aussi. Les costumes viennent de plein de civilisations différentes. C'est-à-dire, il a fait refaire des costumes qui n'étaient pas réalistement marocains. Il y a des choses marocaines, mais il y a des choses qui viennent pour lui de l'imaginaire qu'il a des civilisations, disons, voilà, de l'époque grecque, à peu près. Et il va utiliser, évidemment, beaucoup, comme toujours, la population locale. C'est-à-dire que très souvent, dans les plans, il y a des gens qu'il a trouvés la veille dans les villages, etc. Il les fait venir et il les filme, et il les filme avec beaucoup de... Comment dire ? C'est pas que des figurants. Il les filme comme... ils ont droit parfois à autant d'attention quand il fait un gros plan que si c'était l'acteur principal. Il a une... Comme ça, il y a quelque chose chez lui de très respectueux et amoureux des visages trouvés, comme ça, on ne peut pas dire dans la rue, mais disons dans la campagne. Alors, il invente des choses, par exemple... il y a des espèces de nattes avec des coquillages. Je ne pense pas que dans le Sahara il y ait ça. C'est-à-dire qu'il crée un imaginaire des costumes qui est un mélange. Mais le mélange, c'est une des grandes figures stylistiques de Pasolini. Mélange des musiques. Là aussi, il mélange, comme dans l'Évangile, il mélange des musiques de provenance très très différentes. Donc voilà, c'est ce qu'il appelle le pastiche, c'est-à-dire je prends des choses hétérogènes qui viennent d'endroits différents et je les intègre à mon film et j'en fais une unité à partir de choses disparates. Ça, c'est un des grands principes esthétiques de Pasolini. Alors, il y a une chose très belle, enfin, dans ce film. Pasolini, au moment où il tourne à Catone, et il dit, j'ai découvert qu'un travelling, un panoramique très très lent, ça sacralise ce que je montre. C'est-à-dire comme si la caméra dévoilait très très lentement des choses sacrées. Et des panoramiques comme ça, sacralisants, il y en a pas mal dans ce film, quand il filme l'architecture, et parfois il y en a sans personnage. Quand il y a un personnage, un panoramique, c'est pour suivre le personnage. Tandis que là, c'est le panoramique, c'est le regard de Pasolini découvrant un paysage où il sent qu'il y a du sacré, où il sent qu'il y a de la sacralité. Donc il y en a des très beaux, et c'est un des films de Pasolini où il y a les plus beaux, je trouve, panoramiques comme ça. Alors, j'en viens un peu aux interprètes, enfin, du film. C'est un film passionnant sur les interprètes. Donc, évidemment, il y a Franco Citti, qui était son premier acteur d'Acatone, qui est son double. C'est clair que Franco Citti, c'est lui. Mais Franco Citti, depuis, a été, comment dire,
est devenu acteur. Enfin, en tout cas, il a attrapé des choses sur qu'est-ce que c'est que jouer. Et il raconte, Chitty, que parfois il jouait, et lui, il avait envie de jouer. Et Pasolini lui disait, tu as été trop bon. On dirait que c'est Laurence Olivier qui joue, et pas toi. Et il disait, tu dois jouer normal. C'est-à-dire, tu dois jouer moins bien. Enfin, tu ne dois pas jouer, ça voulait dire jouer normal. Alors, par rapport à Franco Chitty, il y a un geste qui parcourt le film, c'est celui de se mordre la main, comme ça, qui est un signe de trouble et de quelque chose, le travail, la culpabilité, etc. Donc ça, il le fait tout le temps, et à un moment, ce geste passe à sa mère, qui le fait aussi quand elle comprend en fait, qu'elle a épousé son fils, etc. Alors, dans ce film, il y a évidemment Ninetto. Ninetto, c'est... Je rappelle que Ninetto a été l'histoire d'amour la plus importante de la vie de Pasolini et la plus durable. Ils ne se sont jamais quittés, disons. Même quand Ninetto s'est marié, c'était un peu son dieu, Pasolini, et donc ils sont restés amis jusqu'au bout. Alors Ninetto a un rôle totalement ninettien, c'est-à-dire que Ninetto, c'est l'ange, d'ailleurs il s'appelle Angelo, c'est le guide et c'est le messager. Donc il a trois fonctions, il vient annoncer les choses, c'est lui qui guide Œdipe quand Œdipe cherche à rencontrer Tirésias, etc. Et à la fin, dans le troisième volet, c'est lui qui accompagne Œdipe aveugle dans les rues de Bologne, voilà, sur les sites du début du film. Alors, il y a d'autres. Alors, il y a une chose très que j'aime beaucoup, c'est que parmi les deux, quand au début de la partie antique, si j'ose dire, quand on dit à quelqu'un d'aller tuer le bébé, il part, il a le bébé attaché, et puis il le dépose, et arrive un autre homme qui le récupère, et c'est pour ça qu'il y aura la méprise, c'est-à-dire on pense qu'il est mort, puisque son père a pensé qu'il y a eu trahison, disons, de l'ordre. Et le deuxième, celui qui trouve le bébé, c'est le père de Ninetto. C'est-à-dire, c'est assez compliqué comme histoire, c'est-à-dire que pour lui, voilà, c'est comme si... le père de Ninetto avait fait cadeau de Ninetto à Pasolini, et donc il lui fait jouer ce rôle-là. Je trouve que l'idée est très belle. Alors, dans le film, il y a aussi, bon, c'est intéressant pour la petite histoire, notamment des cahiers du cinéma. C'est-à-dire, il y a Jean-Claude Biette qui, après, Jean-Claude Biette était à l'époque rédacteur au cahier. Il va devenir un cinéaste et un très bon cinéaste, et il était. Bon, il était allé voir Pasolini et il lui avait dit « je veux être votre assistant ». Pasolini l'a pris, mais il dit « je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire être assistant, je pensais que c'était assisté au tournage ». Donc en gros il dit « j'ai servi à rien, mais j'ai vu ce que c'était qu'un tournage ». Après, comme il va devenir cinéaste, évidemment, je suppose que ça va l'aider d'avoir vu un tournage, en plus un tournage de quelqu'un pour lequel il a la plus grande admiration, et qui est Pasolini. Alors il y a deux autres acteurs qui sont aussi des choses un peu importantes. Il y a Julian Beck, qui joue Tirésias. Julian Beck, à l'époque, c'était le Living Theater. C'était juste la grande époque du Living Theater, qui jouait à Avignon, qui jouait partout, qui était une troupe mythique. Évidemment, Pasolini avait vite repéré Julian Beck. Et puis il y a Carmelo Bene. Alors Carmelo Bene, c'est très intéressant pour la culture italienne. Carmelo Bene, d'abord, a été un grand homme de théâtre en Italie. Il a inventé plein de choses sur la mise en scène de théâtrale. Et il va être aussi un cinéaste. Et il va faire un film magnifique qui s'appelle Nostra Signora dei Turchi, Notre-Dame des Turcs, qui est un film baroque absolument incroyable. Donc c'est un homme important, enfin, dans la culture italienne, Carmelo Bene. Et Carmelo Bene était venu à l'époque monter deux pièces à Paris. Comme ça, et moi j'avais vu une des deux. Il avait inventé un truc génial, c'est-à-dire qu'il avait mis des micros très très directionnels
tous les 50 cm sur toute la scène. C'est-à-dire que les acteurs, même si un acteur faisait ça, on l'entendait dans la scène. C'est-à-dire que c'était entièrement sonorisé à partir de trucs comme ça, et c'était génial. C'est-à-dire que les acteurs n'avaient pas à crier, n'avaient même pas à parler fort. C'est-à-dire tout ce qu'ils disaient était comme au cinéma, si on peut dire. C'est-à-dire que c'était répercuté dans la salle, et c'était une chose, enfin, pour moi, absolument magnifique. Alors, j'en viens peut-être au plus important, qui est les trois parties du film. Oui. Juste, j'aurais voulu faire une remarque sur la mère. Oui. L'actrice qui joue la mère, c'est bien Sylvana Mangano, c'est oui, ça? Oui, j'allais en parler maintenant. Comme vous passez en vue les acteurs, je pensais... Oui. Est-ce que, en fait, je voulais juste faire une remarque du coup sur un plan qui m'a vraiment touché au début, quand on est dans la première partie, quand elle est dans le champ avec le bébé. Et il y a un gros plan sur elle, en fait, où elle regarde, je crois, dans la caméra ou au-delà, et en fait elle a comme une prémonition, quelque chose du malheur qui va arriver, et je trouve que ce plan est magnifique, et enfin, voilà, je voulais juste faire remarquer ça, mais vous allez en parler plus tard. Voilà. Je vais en parler tout de suite. Oui, donc évidemment, ce qui était très important pour Pasolini, c'était qu'il allait jouer sa mère. Et il n'a jamais eu le moindre doute, pour lui, c'est Sylvana Mangano. Et il dit quelque part que Sylvana Mangano, c'est sa mère. Quand il la voit, pour lui, voilà, elle représente parfaitement l'affect qu'il a pour sa mère. C'est-à-dire pour lui, c'était même pas l'actrice, c'était l'incarnation idéale en cinéma de sa propre mère. Alors Sylvana Mangano... il la fera rejouer après, puisqu'elle sera aussi la mère dans Théorème. Sylvana Mangano, pour lui, c'est un truc très, très important. Il faut dire qu'elle est absolument magnifique dans ce film, puisqu'elle va jouer. Alors, c'est intéressant, puisqu'elle va jouer à la fois la mère d'Oedipe dans la partie contemporaine, et elle va jouer la mère d'Oedipe dans la partie. Historique, si on peut dire. Donc elle est à la fois dans les deux parties du film. Elle est contemporaine et elle est dans le mythe. Elle est évidemment dans les deux. Et c'est vrai que c'est un choix parfait, quoi, pour, je trouve, par rapport à ce que Pasolini veut dire de sa relation à la mère. Elle est idéale. Alors ça m'amène aux trois parties du film. Qui à l'époque, alors Pasolini est très surpris, puisqu'il dit, les gens ont dit c'est compliqué, ces trois parties, et lui il dit il n'y a rien de compliqué, c'est extrêmement simple, il suffit de regarder et de se laisser aller et de ne pas se poser de faux problèmes. Donc je pense que dans le fond il a raison, mais bon, les critiques italiennes avaient mal reçu le film en pensant qu'il était compliqué. Et aujourd'hui, il est plus compliqué. Enfin, aujourd'hui, voilà, il est... Alors, j'en viens donc à cette histoire des trois parties qui constituent le film. Alors, en gros, il y a un prologue contemporain. Et ce prologue, il est directement autobiographique. C'est-à-dire que Pasolini, le film, dans une ferme qui rappelle pour lui son enfance au Frioul. Donc, c'est lui, le petit. Et finalement, le bébé, c'est lui. Son père... c'est un militaire et c'est son propre père. C'est-à-dire que là, c'est une scène directe, si on peut dire, vue par le bébé. Et là, on est chez Freud. C'est-à-dire que le scénario du prologue, c'est pur et dur le scénario de Freud sur l'Oedipe. C'est-à-dire le petit enfant assiste à une scène sexuelle entre son père et sa mère. Il est loin, il voit mal, il ne comprend pas. Et il éprouve de la jalousie par rapport à sa mère, pour le père. Et donc, et le père, du coup, va avoir un réflexe de castration, puisque ce petit garçon vient prendre sa place dans l'amour de la mère. Alors, c'est littéral. Hein, dans le film, c'est littéral. Et alors, il y a une idée très belle, c'est que quand le père pense ou parle, il ne parle pas. C'est-à-dire, les mots sont écrits sur l'écran, comme dans un cinéma muet, et ça a un impact très très fort, puisque le père dit,
Mais c'est écrit, il dit, voilà, tu es venu ici pour prendre ma place auprès de ma femme. Donc, c'est ça. Alors, voilà, donc c'est très très proche de réellement là, de même si l'autobiographie, pour un bébé, au moment de l'Œdipe, c'est bizarre, mais c'est comme ça que lui la voit, j'ai envie de dire. Alors, la scène est absolument magnifique sur le rapport à la mère. C'est-à-dire que la mère, il y a une chose que j'adore dans cette scène, c'est qu'à un moment, la mère part avec le bébé dans un grand pré vert. Et là, donc, il est à côté, il la regarde, et puis il regarde les arbres, il fait une espèce de panoramique très bizarre sur les crêtes des arbres. Et voilà, donc la fusion avec la mère se passe dans un pré. C'est très important. Et à la fin du film, dans la troisième partie, aveugle, guidé par Ninette, où il revient dans ce pré. C'est-à-dire, le pré, c'est le début et la fin. Alors, la question du pré est très importante dans l'œuvre de Pasolini, pas que dans ce film. D'abord, là, dans le film, ça dit la vie finit là où elle commence. C'est-à-dire, elle a commencé dans le pré et elle finit dans le pré. Le film se termine là. Donc, le pré, c'est plein de choses chez Pasolini. Bon, c'est la fusion avec la mère. Là, c'est clair dans ce truc-là. C'est le pré de l'écriture. Puisque Pasolini, dans un poème, dit que le pré, c'est comme la page où il écrit. Il fait un rapport direct entre le pré et la page de l'écriture. Pour lui, il y a une association directe dans tout ça. Alors, il y a une chose très très belle dans un poème de Pasolini. Il décrit la dernière fois où il a vu son frère. Puisque le matin, son frère a dit « je pars combattre ». Et Pasolini l'a accompagné et il dit « j'ai vu mon frère de dos traverser le pré ». C'est-à-dire le pré, c'est aussi le lieu de la mort, enfin c'est aussi le lieu où la dernière vie... Et il dit j'ai vu mon frère de dos dans le pré vert ». Donc c'est-à-dire que le thème du pré chez Pasolini est extrêmement riche, de beaucoup de significations, disons, différentes. Ici, c'est quand même plutôt le pré de la fusion avec la mère. Puisque c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a une chose aussi qui est très belle, enfin, au début de la séquence initiale, c'est qu'à un moment, il est là, et sa mère est à côté de... Quand sa mère n'est pas seule, quand elle est avec d'autres jeunes femmes, sa mère est à côté de lui, les autres jeunes femmes l'appellent pour jouer, et elle y va. Et là, Pasolini utilise une focale très très grande, c'est-à-dire que le fait qu'elle se lève et quand elle fait 2 mètres, elle est déjà toute petite. C'est comme un arrachement de la vision. C'est-à-dire pour lui, ce qui est terrible, c'est ce jeu de l'élastique. C'est-à-dire sa mère est à côté de lui, il est collé à elle et d'un coup elle part et l'éloignement est très accéléré à cause de l'objectif qu'il a utilisé. Donc ça c'est évidemment des choses très très cinématographiques et très belles. Il aurait filmé ça aux 50. On n'aurait pas du tout l'impression d'arrachement. L'impression d'arrachement vient, disons, de l'objectif là qu'il a choisi. Alors, il y a l'histoire dont vous parlez des regards. C'est-à-dire que c'est, à un moment donné, quand elle est seule après avec le bébé, elle est là, le bébé la regarde, et elle regarde directement la caméra. C'est-à-dire, Pasolini lui a dit, tu regardes la caméra. Au début, elle sourit, comme si elle était contente d'être là, collée à son fils. Et après, elle devient très grave. C'est-à-dire comme si... Et le plan est très long. C'est-à-dire comme si, pendant ce gros plan sur son visage, elle avait vaguement la conscience de ce qui va se passer. De l'histoire finale, disons, du fait qu'elle va épouser son bébé, enfin son fils, qu'elle va se pendre et que lui va devenir aveugle. Donc voilà, il y a ça qui passe. Sans parole, évidemment, sans rien sur son visage. Alors, ça c'est la partie initiale, c'est le prologue, donc partie contemporaine. Ça se passe au moment où le film se tourne, mais ça se passe à la campagne. La partie centrale, c'est celle du mythe, c'est-à-dire la partie centrale, Pasolini commence à nous raconter l'histoire de ce bébé.
qu'est-ce qui va lui arriver, comme ça. Et là, dans la deuxième partie, il y a deux parties très nettement distinctes. Il y a la partie avant Sophocle, puisque à un moment donné, le film va mettre en scène le texte de Sophocle, de la tragédie, mais au début, il faut raconter le mythe. Et donc, il va y avoir tout ce qui se passe avant Sophocle, et notamment quand il tue son père avec voilà. Alors, il y a une chose assez belle, parce que c'est la première fois où Pasolini joue dans un de ses films, joue directement dans un de ses films, et il joue le grand prêtre au moment où la ville, au moment où la peste est arrivée, les gens meurent de la peste, et le grand prêtre vient dire à Œdipe, il faut que tu fasses quelque chose, demande au dieu, on ne va pas tous mourir de la peste. C'est lui qui intime l'ordre au roi d'agir, de faire quelque chose par rapport à la peste. Et alors Pasolini dit, j'ai choisi d'être le grand prêtre, d'abord parce que ça l'amusait, j'imagine, d'être le grand prêtre, et il dit parce que je voulais être celui qui ouvrait la partie adaptation, enfin la partie où le texte devient celui de Sophocle. Alors là, bon, pour les maniaques, il y a un détail intéressant, c'est qu'à côté de Pasolini, il y a Jean-Claude Biette, alors que c'est que des Marocains, je veux dire, mais il y a le petit Biette comme ça qui est là et qui joue comme Pasolini, il a les mêmes costumes, etc., à côté de lui, donc il assiste aussi les débuts d'acteurs de Pasolini dans ses premiers plans. Alors, la partie centrale, là, Pasolini invente, enfin, sur le cinéma, c'est magnifique, notamment le meurtre. C'est-à-dire que le meurtre, dans le scénario, il avait écrit que Œdipe croise le chariot avec son père dans un endroit très encaissé. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer tous les deux, et du coup, son père s'énerve et il tue son père. Donc l'idée, et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, il met en scène ça dans un espace très très ample, et il met en scène à une fourche, donc comme ça, et cet espace très large, il va s'en servir. Alors là, moi, j'adore ça. C'est-à-dire que bon, l'idée, évidemment, elle est historique. C'est-à-dire que Œdipe fait en sorte que les trois gardes aient un intervalle grand pour les tuer un par un et revenir vers le père avant de tuer le père. Et là-dessus, il prend tout son temps et c'est magnifique. C'est-à-dire, on voit Œdipe qui court, il attend. Quand il y en a un qui est détaché de deux autres, il vient, il se bat. Après, il attend avec le deuxième, et ça, il prend tout le temps, et il prend tout l'espace. C'est-à-dire que pour faire les meurtres, il filme la question de l'intervalle, qui est fondamentale au cinéma, c'est-à-dire l'action se joue dans l'intervalle entre le père, les trois soldats et lui. Et cet intervalle, il va le décliner soldat par soldat, jusqu'à se retrouver face à son père et à massacrer son père, disons, à son tour. Donc, c'était le contraire de ce qu'il avait prévu. Ça veut dire que Pasolini est cinéaste, il n'arrive pas avec le scénario en disant « je vais faire ce qui est écrit ». D'un seul coup, il voit l'espace et il dit « évidemment, je vais faire le contraire du truc encaissé, je vais faire Hitchcock, quoi. Je vais faire comme ça un grand, grand espace et puis quelqu'un... attends, voilà, donc l'idée est très très belle. Et après, il va respecter assez scrupuleusement le texte de Sophocle, qui est assez long, d'une certaine façon, parce qu'il y a toutes les discussions sur le fait que il n'arrive pas à accepter ce qu'il sait, c'est-à-dire que c'est lui qui a tué son père et qu'il a épousé sa mère. Et donc, il y a des discussions politiques, on fait venir des témoins, c'est-à-dire c'est comme un procès, dans lequel lui est accusé, or lui c'est le roi, c'est-à-dire il ne comprend pas qu'on accuse le roi, donc il va essayer de rejeter la faute sur Créon. Créon c'est le frère de sa femme, il va essayer d'intimider le devin, enfin qui vient lui dire la vérité, il dit tu n'as pas le droit de dire ça, etc. Donc la résistance de Œdipe à accepter ce qu'il a fait est très très
longue dans le film, mais parce que c'est comme ça dans la pièce de Sophocle. Et donc, il n'essaye pas de réduire cette partie-là, parce que c'est dans cette partie-là où il y a le discours politique. Le discours politique, c'est-à-dire, je suis le roi, je sais quelque part que je suis coupable, mais je vais faire rejaillir ma culpabilité sur les autres, et je vais refuser jusqu'au moment où il ne peut plus reculer. Il ne peut plus reculer, à ce moment-là, il reconnaît que c'est lui, il se crève les yeux, et sa mère se pend, puisqu'il se crève les yeux avec l'épingle qui rattachait le vêtement de sa mère. Donc ça, c'est la partie centrale. Alors, l'épilogue est passionnant. L'épilogue, on revient au présent. C'est-à-dire que Œdipe, qu'on a vu partir avec Ninetto, qui le guide aveugle et la flûte, on est dans l'Antiquité, et d'un seul coup, on est à Bologne. Et c'est les deux mêmes, c'est-à-dire c'est le même Œdipe et le même Ninetto qui sert d'accompagnateur, comme ça, de guide. Alors là, Pasolini dit des choses assez belles sur ça. Il dit, quand on arrive à Bologne, au début, on est dans le Bologne bourgeois, riche, on voit les magasins, on voit que les gens sont très bien habillés. Et il dit, pourquoi ? Ça, parce que c'est là où j'ai... le premier plan, c'est sur le portique de la mort, qui est un endroit très beau à Bologne, qui jouxte l'université. Donc c'est une façon aussi, pour Pasolini, de dire c'est le portique de la mort, mais c'est aussi là où j'ai été étudiant, où j'ai commencé à écrire, et où je suis devenu bourgeois. Enfin, j'avais acquis tous les codes, disons, de la petite bourgeoisie. Et il dit, après j'ai changé. Donc dans l'épilogue, on va voir ça aussi, c'est-à-dire qu'il va quitter la Bologne bourgeoise et il va aller dans la Bologne ouvrière. Il va aller dans les quartiers des usines. C'est-à-dire, il dit, c'est ça aussi ma vie, c'est-à-dire que j'ai eu besoin de passer par une phase d'étudiant bourgeois. Et puis, après, j'ai fait le choix d'être du côté des prolétaires et des ouvriers. Donc, c'est ce que fait, dans l'épilogue, Œdipe, qui se dirige après vers les usines, etc. Et là, je pense que Pasolini s'amuse un peu, il fait des plans de la zone industrielle qui évoque l'Antonioni du désert rouge, puisqu'il avait gardé en travers de la gorge le fait que c'est pas lui qui avait eu le prix, mais Antonioni, même s'il aime le film. Et du coup, c'est comme s'il se confrontait à Antonioni, il dit « moi aussi je peux filmer le paysage industriel comme ça », et c'est plutôt assez beau. Donc ça, c'est deuxième période. Troisième période de l'épilogue, c'est le prêt initial. On revient sur les lieux de la naissance, et sur les lieux de l'Œdipe directement, et ça finit sur les lieux de l'Œdipe. Donc tout ça est très bouclé, c'est-à-dire que les choses reviennent, c'est bouclé avec la vie de Pasolini, donc c'est un film très complet. Je veux dire, pour comprendre Pasolini, ce film est un film clé, puisqu'il parle de lui, il parle de son parcours, il parle des lieux où il a vécu, voilà, c'est un film réellement... analytique de son propre parcours et assez lucide sur tout ça, sauf que lui, évidemment, il n'a pas. L'Œdipe n'a été qu'un mythe pour lui. Voilà, donc c'est. Oui, justement, moi j'avais une remarque à faire sur la dernière partie. Vous avez décrit effectivement qu'il y a un passage d'abord à Bologne, en fait, qui représenterait un petit peu le moment bourgeois, en fait, dans la vie de Pasolini. Ensuite, le moment où il se rapproche des classes ouvrières, du prolétariat. Et après, effectivement, on reboucle sur le champ. Et je trouve que, je pense que quand on ne connaît pas Pasolini, on comprend bien le bouclage, en fait, entre le début et la fin. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas forcément les clés pour comprendre pourquoi on passe dans ces milieux bourgeois, ouvriers, etc. Moi, j'ai eu un petit peu de mal, en fait, à suivre ça en tant que spectateur sans avoir les clés, justement. Oui. Est-ce que c'est... Par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose...
Est-ce que Pasolini en fait donne suffisamment de clés finalement au spectateur, ou est-ce qu'on est obligé de connaître sa vie ou ses déclarations pour... Non, c'est comme souvent au cinéma, c'est-à-dire que le cinéaste, lui, a ses propres repères. C'est lui, quand il filme le centre de Bologne, ça c'est la librairie où j'allais, ça c'est la fac. Après, c'est effectivement les ouvriers. Après, c'est le Frioul, puisque à la fin, c'est comme si on revenait au Frioul. Mais comment dire ? Ouais, ce que je veux dire, c'est que pour aller un petit peu plus avant, Œdipe, en fait, il devient une sorte d'artiste. Donc il joue de la musique, etc. En fait, et peut-être que l'interprétation, elle se fait peut-être plus directement sur pourquoi est-ce qu'on le retrouve en tant qu'artiste, en fait, après s'être crevé les yeux, etc. Quelle est la signification de ce devenir-là, en fait ? Il aurait pu devenir autre chose, ou je sais pas. Oui, bon, c'est comme souvent au cinéma, c'est-à-dire que ce qui est embêtant, c'est quand on a besoin de savoir des choses extérieures au film. Mais, en l'occurrence là, si on ne sait pas des choses extérieures au film, on comprend qu'il est dans le centre-ville, qu'il est dans la zone ouvrière, et qu'après il revient au pré-initial. Ce qui est embêtant au cinéma, c'est quand, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne comprend pas. Donc là, c'est peut-être un peu énigmatique, mais on comprend. On comprend ce qu'il fait, on comprend où il va, voilà, et on comprend... Je pense que tout le monde comprend qu'il revient auprès de l'enfance, enfin, sur ça. Ça veut dire que c'est pas... c'est valable pour beaucoup de films, ça, mais c'est vrai que, comment dire, si on connaît un peu le parcours de Pasolini, il y a beaucoup plus de plaisir, enfin... Oui, je voulais dire quand même que malgré tout, c'était... en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était pas évident, en fait, parce qu'il y a ce choc qui est génial de faire un bond, en fait, et d'arriver à l'époque contemporaine. Et en même temps, en fait, on a du mal, en fait, à comprendre ce que ça signifie, même, j'ai envie de dire, de manière simple, sans avoir recours à la biographie de Pasolini. Bizarrement, je comprends beaucoup mieux, en fait, le retour dans le champ, en fait, parce qu'évidemment... parce que là, c'est direct, oui, c'est... Mais j'ai l'impression que Pasolini veut me dire quelque chose, en fait, sur le passage à Bologne, etc., et les usines, mais je sais pas. Non, c'est sûr. Ouais. On peut, forcément, si on n'a pas ça en tête, c'est plus brut. Il est au centre-ville, après il est dans la banlieue industrielle, et après il est à l'origine. Pour l'origine, c'est facile, puisque l'origine, on l'a vu. C'est le prêt. C'est vrai que pour les deux autres, c'est un passage qui peut être un peu abrupt, disons, pour un spectateur qui ne sait pas, enfin, qui ne connaît pas l'histoire. Je suis assez d'accord avec ça. En même temps, c'est un droit des cinéastes de suivre leur fil à eux sans forcément l'expliquer au spectateur. Pasolini ne peut pas expliquer dans son film que quand il est au centre-ville, c'est là où il a été étudiant. C'est une allusion, et évidemment, c'est une allusion très précise, puisque les gens qui connaissent Bologne reconnaissent le portique de la mort, et savent que l'université est à côté, mais c'est vrai que le spectateur, disons, qui n'a pas de savoir sur la vie de Pasolini, il ne peut pas lire tout ça, bon, c'est clair. Mais bon, ça fait partie des choses un peu énigmatiques, que des fois, quand on voit un film, on ne comprend pas trop, et qu'après, quand on approfondit et qu'on va chercher, on comprend, c'est une récompense aussi. Pour moi. C'est vrai. Voilà. Alors moi ce passage en fait entre le moment mythologique et puis la période contemporaine, il y a un saut en fait, alors je sais pas si on peut dire un saut dans le temps, mais je vais faire une comparaison qui a sans doute rien à voir quelque part, mais ça m'a fait penser en fait à l'ellipse qu'il y a dans 2001 au début, quand on passe dans la scène avec les singes et puis le raccord dans l'espace. Et je trouve que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une audace, en fait, dans le raccord alors je sais pas qui a eu l'idée en premier, sans doute Pasolini, puisque de 2001 c'est après. Mais je sais pas s'il y a d'autres exemples, en fait, dans l'histoire du cinéma. De raccords comme ça, très très violents, enfin, qui sont vraiment très audacieux, en fait. Voilà, c'est ça. C'est la même chose que 2001, vraiment. C'est-à-dire, on part de quelque chose, on fait un bon raccord cinématographique, c'est-à-dire que c'est pas. On passe pas à autre chose. C'est-à-dire, c'est comme si le raccord
était un vrai raccord entre, par exemple, à la fin, ils partent avec la flûte et tout ça, et le raccord est direct quand ils arrivent à Bologne. C'est-à-dire, c'est des raccords directs sur des temps qui ont 3000 ans d'écart, donc c'est exactement la même chose. Mais il a été très attentif, Pasolini, à ce que le raccord soit direct entre des temps qui sont le temps mythique et le temps historique, enfin entre les deux temps du film. Mais c'est vraiment la même chose que 2001. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la notion de mythe, justement, chez Pasolini? Parce que j'ai lu, en fait, qu'il parlait, lui, d'une catégorie d'images qu'il appelle préhistorique. Et il y a la notion d'histoire, de préhistoire. Et cette idée chez lui, en fait, qu'il y a des choses qui sont métahistoriques et qui relèvent du mythe et qu'on peut donc représenter avec des images de la préhistoire. Est-ce que vous pourriez éclaircir un petit peu ces propos? Oui, bon, le mythe, pour Pasolini, c'est essentiel. C'est-à-dire, le mythe, qu'est-ce que c'est le mythe? C'est quelque chose qui fait sens, mais qui fait sens en soi. C'est-à-dire, le mythe n'a pas besoin de l'histoire pour être compréhensible, et le mythe, c'est quelque chose qui traverse les époques. Je veux dire, quand Freud dit Oedipe, pour lui, le mythe est totalement contemporain, c'est-à-dire que dans l'histoire personnelle du bébé, il y a cette phase qui reprend un mythe très ancien, qui est le mythe de Oedipe. Donc le mythe est hors du temps et hors de l'histoire. C'est la mère. Bon, c'est ce que je disais au début sur la mère. Et l'histoire, c'est l'histoire, c'est-à-dire l'histoire, c'est le politique, le contemporain, etc. Donc, pour Pasolini, en gros, vivre dans l'histoire ne lui a jamais suffi. Même s'il intervient sur l'histoire, il est militant, il intervient, il écrit, mais il a besoin d'un autre espace, notamment pour la création, qui est un espace en dehors de l'histoire, et qui est l'espace du mythe. Il a la conception de Pasolini du mythe, c'est la conception classique du mythe. Hein. Il n'a rien inventé. C'est-à-dire, le mythe, c'est ça. C'est un modèle réduit de sens qui n'est pas lié à l'histoire qui est autour, en gros. Et pour lui, quand il va à Ouarzazate et tout ça, il a l'impression, quand il voit l'arbre, que ça devait être pareil il y a 3000 ans ou 2000 ans. C'est-à-dire que l'arbre, voilà, c'est ça le mythe. C'est-à-dire, il y a un arbre dans le désert et il y a un homme dessous qui parle et qu'on vient interroger sur ce qu'on va devenir. Ça, c'est le mythe. Et ce mythe, il est autant de 1970 que de la préhistoire. C'est ça l'idée. Et évidemment, les lieux sont fondamentaux pour le mythe. On ne peut pas faire du mythe dans la vie contemporaine, même s'il va essayer après avec Théorème. Parce que Théorème, c'est tous les signes sont des signes absolument de la vie contemporaine, les costumes, etc. Mais il essaye de travailler un mythe qui serait celui de l'ange qui arrive et qui transforme les gens, etc. Donc il a toujours eu besoin des deux. Pasolini, il n'est pas un cinéaste purement mythique qui ne travaillerait que le mythe, mais qui n'est pas non plus, il est toujours entre l'histoire et la non-histoire. Donc c'est pour ça que ce film est fondamental, puisque c'est le père et la mère. Pour lui, la mère est hors du temps. La mère est vraiment un mythe, elle est hors du temps, elle ne vieillit pas, elle sent toujours la même odeur de primevère, c'est-à-dire la mère, c'est la sécurité d'être en dehors de l'histoire. Mais il a aussi besoin de l'histoire, Pasolini, puisqu'il intervient dans l'histoire. Donc, ça, c'est une des caractéristiques de l'œuvre de Pasolini, ça. C'est-à-dire, comment concilier deux postures contradictoires, d'une certaine, en tout cas opposées, qui est celle d'être dans le mythe, d'être hors du temps historique, et celle d'être au milieu du temps historique. Et c'est les deux béquilles, si on peut dire, avec lesquelles il va construire beaucoup de son cinéma. Justement, il y a une autre opposition ou quelque chose qui peut paraître paradoxal quand on regarde le film et qui le rend aussi un petit peu difficile à appréhender, je trouve. C'est le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont très artificielles dans le film.
et en même temps filmé de façon souvent, je le dis peut-être un peu trop simplement, mais assez réaliste ou sur un mode un petit peu documentaire. Et je pense notamment au fait qu'il a utilisé des ruines en fait de lieux préhistoriques, mais en gardant l'aspect ruine en fait sans mettre d'ornement, etc. Donc en fait ça donne quelque chose d'un petit peu déstabilisant en fait, je trouve, pour le spectateur, où on est à la fois sur quelque chose effectivement de bah oui de très réaliste, des caméras portées, des choses, enfin même des costumes magnifiques hein, des fois. Et en même temps, des choses qui ne sont pas réalistes du tout. Et en fait, moi, j'ai trouvé que le mélange est incroyable, très original, et en même temps, ça nous désoriente quand même, en fait. Bon, c'est fondamental, parce que Pasolini, toute sa vie, il a horreur du naturalisme. Or, le naturalisme, c'est quand même le mode 95% de tout le cinéma. Et lui, dès que il sent que ça devient naturaliste, il essaye de trouver, de dénaturaliser, disons, les choses qu'il est en train de filmer. Et pour ça, il a plein d'outils, et notamment le maniérisme. C'est-à-dire que, d'un seul coup, effectivement, les costumes n'ont plus rien de naturaliste. Il n'a pas voulu imiter ce que ça pouvait être en Grèce, les costumes, disons, de l'époque de Sophocle. Donc, il essaye toujours de tenir les deux en même temps, c'est-à-dire antinaturalisme, et en même temps il filme, ça c'est très vrai, avec des fois des procédés qui sont purement naturalistes. Suivre quelqu'un qui marche, c'est Rossellini, si vous voulez, c'est des choses qui ont l'air d'être néo-réalistes, mais en fait lui, il se débrouille pour que le contenu contredise ça. C'est-à-dire quand il fait des plans qui pourraient être naturalistes, et notamment ce dont je parlais, c'est-à-dire que le panoramique, c'est un truc hyper naturaliste, puisqu'il y a quelqu'un qui marche et on le suit. C'est-à-dire la caméra est soumise à ce qu'elle montre. Et lui, il dit non, moi je fais un panoramique non naturaliste, parce qu'il n'y a personne. Je suis rien. C'est moi qui regarde le paysage et qui en fait quelque chose de sacré. Donc ça aussi, c'est une contradiction fondamentale. En tout cas, la peur du naturalisme l'a poursuivi toute sa vie, et il est allé très loin dans le non-naturalisme, notamment les films qu'il a fait avec Toto, La Terre vue de la Lune, etc., qui sont presque des films primitifs burlesques. Donc il y a voilà, qui est... Mais après, il a arrêté ça parce que Toto est mort. Avant Oedipe, c'est-à-dire qu'il avait une idée, c'était de continuer à faire des films qui seraient proches du cinéma burlesque muet, avec Toto. Et puis il a dit j'arrête cette veine là parce que Toto était l'acteur parfait pour faire ça, et Toto n'est jamais naturaliste. Toto fait des grimaces, bouge de façon très très bizarre, voilà. Donc il y a toujours ça chez lui, refus du naturalisme. Alors il y a là, je sors peut-être un petit peu du sujet, mais ça me fait penser à ça. Il y a un court métrage que je trouve vraiment magnifique avec Toto et Ninetto, qui est Que sont les nuages, et bon, malheureusement on ne pourra pas le montrer ou le proposer cette année, mais enfin voilà, là c'est vraiment une aparté, mais je recommande aux gens de le voir s'ils peuvent, je trouve il est vraiment génial. Et pour Pasolini, c'était un très grand plaisir de faire ces films là parce que finalement là il faisait ce qu'il voulait. Il y avait même la production ne lui disait pas qu'est-ce que c'est ton histoire, pourquoi tu les fais jouer comme ça, c'est-à-dire c'était des petites capsules de plaisir pour lui de filmer les gens, les choses, etc., sans aucun souci de réalisme et presque sans aucun souci de scénario. Donc c'était une veine heureuse, voilà, dans son métier de faire des films. Même si Pasolini était toujours très heureux quand il faisait les films, y compris Salo, puisque quand les gens voient Salo, ils se disent... Ils ont dit, bah, ça devait être une horreur, et tous les gens qui ont joué disent c'était délicieux, le climat était formidable, parce qu'évidemment, c'est jamais naturaliste, sinon ça serait insupportable, Salo. Donc voilà, c'est le problème continue jusqu'au dernier film. Eh ben, on ne va pas arriver tout de suite à Salo, en tout cas, la prochaine fois. Alain Bergala, pour la prochaine séance, et j'en ai peur, elle sera encore virtuelle. On vous présentera donc le Décameron, hein, c'est ça ? Voilà, qui fait partie de la trilogie
qui est un moment un peu à part dans l'œuvre de Pasolini. Donc c'est bien qu'on en ait un qui représente cette période-là de la trilogie. J'espère quand même qu'on pourra faire une ou deux séances en présence. Merci beaucoup Alain Bergala, et donc à très bientôt en virtuel ou en réel. À bientôt.